Alors qu'il reste sur un nul et une défaite face à Lubumbashi Sport, les jaunes et bleus souhaitent rebondir et cette rencontre face à l'AS Simba de Kolwezi est une opportunité de renouer avec la victoire. D'autant plus que, si tel est le cas, le football club Saint-Éloi Lopopo reprendrait la deuxième place avant la réception du Cercle Sportif Don Bosco la semaine prochaine. Les cheminots ne tardent pas à prendre la rencontre en main devant plusieurs supporters qui ont fait le déplacement. Ils s'offrent quelques situations. Le rythme ne tombe pas et le danger s'est fait de plus en plus pressant, obligeant Toumba à se déployer sur un tir lointain de Jonathan Mokonzi à la 40e minute. Bien installés dans le camp adverse, les hommes de Berthem Akou multiplient les tentatives mais font preuve de malchance pendant que Simba sort de sa moitié et tente de piquer sur les contre-attaques. Les kamikazes se heurtent à plusieurs reprises au bloc compact jaune et bleu, bien huilé. Et c'est juste avant la mi-temps que Patou Kabangumulota délivre les siens du piège des kamikazes. D'un coup de patte magique, le capitaine donne l'avance à Lupopo. Au retour des vestiaires, l'intensité du match redouble et Berthem Akou effectue ses premiers changements. À la 83e minute, le nouvel entrant, Manu Bola, fait parler toute l'immensité de son talent pour offrir un deuxième but à son équipe. Le numéro 17 fusille Toumba qui ne peut que constater les dégâts. But à 0, score final, Lupopo se reprend et fait le plein de confiance avant de recevoir le Cercle Sportif Don Bosco mercredi prochain au stade Frédéric Ibassa Maliba.